C'est exactement le cas de figure que vous évoquiez, c'est-à-dire ces entreprises qui ont été frappées de plein fouet par l'envolée, l'explosion des prix de l'énergie. Bonjour Franck Roubanovitch. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez, vous, effectivement, faire de la hausse des salaires de 7% négociés par Total Energy avec la CFDT et la CFE-CGC une norme pour vos entreprises? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en réalité, le bouclier tarifaire dont on parle pour les particuliers, il ne s'applique pas aux entreprises. Hein, ouais. Ce qui veut dire que l'inflation liée à l'augmentation des coûts de l'énergie, on va l'avoir de manière massive. Nous, on estime que l'inflation en 2023, ouais, rien que du fait de la hausse des coûts de l'énergie, sera supérieure à 10%. Ouais. Alors, ça, le bouclier tarifaire, il est valable juste pour les toutes petites entreprises, hein, qui bénéficient du tarif réglementaire. Absolument, moins de 10 salariés. Ouais. Bruno Le Maire disait hier, à une rencontre à laquelle vous étiez à Bercy, notamment sur les difficultés liées aux problématiques de l'énergie, il y a 350 entreprises qu'on a identifiées, qui se sont elles-mêmes identifiées comme en difficulté, mais on est très loin de ce qui existe vraiment. Vous, dans vos adhérents, vous en avez des milliers, vous représentez 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions d'employés, vous estimez à combien d'entreprises en grande difficulté? Alors, c'est pas quelques centaines, c'est en dizaines de milliers qu'il faut les compter. Parce dizaines que de milliers. Que Bruno Le Maire n'a pas du tout en tête l'ensemble du tissu des PME qui ne sont pas du tout protégés. Moi, je suis appelé tous les jours par des PME qui ne savent plus quoi faire parce que notre président de la République leur a dit patientez, vous savez, il y a quelques semaines, patientez, négocier, reporter, voilà, ne signez pas. Le marché va se calmer, il va peut-être pas se passer quelque chose, ne signez pas. Il faut avoir en tête que nous, on a une contrainte qui est le 31 octobre. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est parce que, vous savez, il y a un dispositif en France qui s'appelle l'AREN, ouais, qui permet d'avoir accès à un tarif, mais sur une partie seulement de notre électricité. Notamment grâce au coût bas de production de l'électricité nucléaire. Voilà, mais pour bénéficier de cette arène l'année prochaine, en 2023, il faut que nos contrats soient signés avant le 31 octobre, hein, dans le cas des PME. Et bien, on attendait, et donc on attendait notamment beaucoup de la réunion de hier avec Bruno Le Maire. Ouais. Et malheureusement, il en est non seulement pas sorti grand-chose, mais il nous a clairement dit qu'il n'y avait pas de visibilité sur une quelconque amélioration. Il n'y a pas de visibilité, vous avez raison. Il n'y a pas de visibilité sur à quel prix on négocie les contrats, et si j'attends après le 31 octobre, je suis piégé, donc à quel prix je négocie aujourd'hui. Il n'y a pas de visibilité non plus sur le dispositif de soutien élargi, puisqu'il faut attendre l'accord de Bruxelles, hein, pour définir les modalités. Alors justement, on en a parlé. Il y avait deux pistes. Il y a une piste européenne et une piste française. Ouais. Sur la piste européenne, il s'agissait d'essayer d'obtenir des Allemands et des Néerlandais qu'ils acceptent de plafonner le prix du gaz utilisé pour la production d'électricité. Ouais. Je ne vais pas entrer dans le détail. Ouais, mais les fameux 180 euros, quoi, peut-être. C'est encore un peu différent, mais bon. Ça avait pour effet de faire baisser les prix du marché. Et ça, Bruno Le Maire nous a dit hier, les Allemands et les Néerlandais ne sont pas d'accord. Ah oui. Alors, bon. Moi, je me pose la question de la solidarité dans ce cas-là, parce que voilà. Bah, les Espagnols, ils ont réussi à avoir un système dérogatoire. Eh bien, ouais, voilà. C'est ça qui est incroyable, c'est que, alors, justement, beaucoup de pays voisins sont en train de mettre en place soit des systèmes dérogatoires, c'est le cas de l'Espagne, du Portugal, ouais, soit des boucliers tarifaires, c'est le cas des Allemands avec leurs 200 milliards d'euros. Les 200 milliards, ouais. C'est le cas des Anglais, il ne faut pas oublier, qui ont fait ça pour l'ensemble de leurs entreprises. C'est le cas des Polonais, on parle un petit peu moins, donc la France est isolée. Donc nous, entendant le fait qu'il n'y aurait pas de négociation, pas d'aboutissement à une négo européenne, on disait, alors est-ce qu'il y aura au moins quelque chose pour protéger l'ensemble des entreprises? Il nous a répondu non. Donc je suis très inquiet. Donc pas de piste pour protéger sur le plan énergétique. Est-ce que du coup, il y a des pistes pour aider les entreprises qui vont s'arrêter? Est-ce qu'il vous a dit que ça sera le même dispositif que pendant le Covid? On vous aidera? Ah non, bien au contraire. Il nous a dit qu'à part quelques entreprises au cas par cas, il n'y aurait pas de dispositif d'aide. Nous sommes donc très inquiets parce que là, on est vraiment au pied du mur. Et je ne comprends pas la contradiction entre le message du président de la République qui nous dit patienter et le message de Bruno Le Maire qui nous dit... Il n'y aura rien. Mais vous lui avez dit ça hier. Qu'est-ce qu'il vous dit, Bruno Le Maire? Je n'ai pas eu de réponse. Ouais. Donc là, vous êtes inquiet parce que vous nous dites, j'ai mes adhérents qui m'appellent, ah oui, qui me demandent ce que je dois faire. Est-ce que je dois signer mon contrat de renouvellement de mon contrat électrique avec des hausses de 30, 40, des fois 3, fois 4? On a eu des entreprises qui nous expliquaient ça, y compris à Rungis. Mais j'imagine votre désarroi ce matin. Non, alors la moyenne de l'augmentation, c'est x5, comme ça, x5, la moyenne. Et j'ai eu la semaine dernière une PME qui m'a appelé parce qu'elle payait son électricité 70 euros du mégawatt-heure. Ouais, ouais. Elle passe à 1300 euros. Mais comment c'est possible? Bah, c'est parce que les marchés ont été multipliés par 10. Oui, mais enfin, l'opérateur qui propose ça, il est quand même...
franchement, il exagère parce que c'est des prix spot, mais on va pas négocier. Alors, en l'occurrence, pour être précis, c'était un prix qui s'appliquait sur les trois derniers mois de l'année 2022, ah oui. sur lesquels il n'y avait pas d'AREN. Hein, il n'y avait pas d'AREN, c'est ça. Mais sur l'an prochain, on parle de prix qui tournent autour de 500 euros du mégawattheure, c'est-à-dire 10 fois plus. Écoutez, beaucoup d'entreprises attendaient de savoir ce qui allait se passer pour décider si elles allaient ou pas fermer des lignes de production. Je pense que là, maintenant, elles sont au pied du mur, c'est ce qui va se passer. Donc moi, je m'attends à beaucoup de fermetures l'hiver prochain. Ah, mais c'est désespérant ce qu'on dit là. C'est désespérant, mais alors on s'imagine la réunion... J'aimerais bien vous dire autre chose, mais voilà. La réunion hier, quand même, avec Bruno Le Maire, c'est-à-dire que ça se finit quand même, où vous disiez, bon, vous dites, bah, on s'arrête, on va s'arrêter tout simplement. Et il vous dit, bah quoi ? Oui, je sais, mais je peux rien faire ? Oui, il n'y a pas d'argent. Par exemple, vous, Franck Roubanovitch... Je ne comprends pas non plus. Ouais. Vous avez une entreprise ? Alors, j'ai une entreprise, mais moi, c'est une TPE. Donc j'ai vous n'êtes pas concerné directement ? Non. Par contre, pas autant. L'ensemble des membres de l'association sont absolument affolés. Bah, c'est très inquiétant, parce que ça veut dire qu'effectivement, on refuse de faire ce que font certains pays, c'est-à-dire un système dérogatoire provisoire, hein, par exemple, en indexant notre prix de l'électricité sur autre chose que sur le gaz, premièrement. Et deuxièmement, on ne fait pas comme les Allemands, ce plan à 200 milliards. On dit qu'on attend l'accord de Bruxelles, éventuellement, pour augmenter les plafonds d'aide aux PME. Alors, ces plafonds d'aide aux PME, c'est une vaste fumisterie. Pourquoi ? Parce que les conditions mises pour l'accès à cette aide, en 2022, si vous voulez, en 2022, il y a eu 500 000 euros dépensés sur un total de 3,5 milliards d'euros qui étaient provisionnés. En 2023... C'est des mauvais critères, ils ont mal été calibrés. En 2023... Ce sera guère différent parce que la Commission européenne continue à mettre les mêmes limites. Bon, mais écoutez, on va continuer quand même à vous soutenir et à faire porter votre voix jusqu'à Bercy. Merci beaucoup, Franck Roubanovitch, président de l'Association des grands consommateurs industriels et tertiaires français d'électricité et de gaz, le CLI, d'avoir été ce matin. C'est pas très réjouissant, mais c'est comme ça.